Allez, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur RedStech. Alors comme promis, aujourd'hui on voit ensemble quelque chose dont on avait parlé dans le dernier épisode sur Holicube. Je vous avais dit que je vous montrerai tous les systèmes Redstone qu'on avait fait au cours de l'année et je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais fait une vidéo sur cette fameuse porte à code qui se trouve dans l'auberge pirate hein, sur Holicube. Donc aujourd'hui, on voit ensemble comment fonctionne cette petite porte. Alors vous voyez juste derrière moi, j'ai une porte à piston un peu plus grande que sur l'écu quand même, hein, et un petit under chest avec un passcard. Donc ce passcard est la seule façon de pouvoir passer cette porte. Il suffit de le lancer, voilà, on le récupère, vous le voyez dans ma main, hein, je l'ai automatiquement récupéré. Et de l'autre côté, voilà, on peut remettre le pass dans le coffre. Voilà, on peut passer de l'autre côté de la même façon. Voilà. Tac. Je récupère également le pass, vous voyez. On peut mettre le pass directement, insert pass card please, voilà, vous voyez. Et de l'autre côté, si on le souhaite, on peut, plutôt que d'être obligé de remettre un pass, avoir un système de plaque de pression, comme ça, voilà. Hop. Et puis que ça réouvre automatiquement la porte, voilà. Il y a toujours un petit délai, que la porte soit pas trop rapide. Donc, je vous montre tout de suite. Vous voyez, on est sur le serveur, hein. Il est temps que je range un peu d'ailleurs. je vous montre tout de suite le modèle. Alors là, je voulais simplifier, puisque au lieu de mettre un système de piston qui prend un peu de place, je vous ai mis simplement des petites portes. Ce sera ce modèle que vous aurez en description, en téléchargement dans la description de cette vidéo. Vous le savez, je fais jamais de longues vidéos où je remonte les systèmes brique par brique, parce que je pense que c'est plus facile pour vous d'avoir un schématique, simplement. Donc vous aurez le schématique en description, et puis voilà. Donc, on va voir comment fonctionne le système. C'est la partie la plus simple, finalement. Vous avez certainement déjà vu ça, c'est un tout petit peu compacté par rapport à d'habitude, mais c'est un simple système de filtre. Vous avez ici un entonnoir avec 22 items. Or, on sait que les comparateurs, là le comparateur est en train de regarder ce qu'il y a dans l'entonnoir, les comparateurs, à partir de 23 items, ils envoient un signal de puissance 2. Donc là, actuellement, donc on est à 22, donc il envoie un signal de puissance 1. Dès qu'il va avoir un 23e item, donc dès qu'on va envoyer un pass à l'intérieur en fait, puisque ces minerais-là servent juste de buffer, donc ce qu'on va chercher à avoir, c'est ce pass-là, c'est le premier item qui va passer. Dès qu'il va y avoir 23 items dans l'entonnoir, le signal va passer à 2 et va éteindre cette torche. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va libérer ce hopper-là. Pour l'instant, ce hopper-là, il est bloqué. Vous voyez, il y a déjà un pass à l'intérieur. C'est important dans le système, ça, d'avoir plusieurs passes. Il y a un pass ici, un pass en dessous, et puis aucun dans le dropper, ça, c'est pas nécessaire. Donc, en fait, ce hopper-là va se libérer, va faire passer ce pass-là dans le dropper, et le deuxième pass qui se trouvait ici, vous voyez, il va descendre en dessous. Donc automatiquement, en fait, dès que cet item-là va passer, quand il sera 23, le signal va arriver ici, va avoir un niveau de 2, la torche s'éteint, mais le fait que la torche s'éteigne, l'item descend, et à ce moment-là, on se retrouve encore à 22 items ici. Donc le signal, tout de suite, redescend à 1 et la torche se rallume. En fait, ça permet juste à un item de passer juste en dessous. Le fait que la torche se rallume, elle rebloque ce hopper là, et c'est pour ça qu'il faut un passcard juste ici dans cet entonnoir, parce que en fait il y a juste un item qui a le temps de passer dans le dropper à côté. L'item qu'on met, celui qu'on a en main, il n'aurait pas le temps de descendre dans l'entonnoir et ensuite d'aller dans le dropper. Donc ça c'est un détail qui est important. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand elle s'éteint, cette torche? En fait, ça éteint cette poudre-là, et donc ça allume cette torche-là. Pourquoi ça l'allume avec un délai de 1 tick? Vous savez que les torches de redstone par rapport à la poudre, elle a un petit tick de délai. Ça permet, en fait, le fait d'éteindre la poudre à côté, ça va permettre de libérer le dropper. Et le fait ensuite d'allumer la torche avec un tick de délai, ça va permettre à l'item qui se trouve ici d'avoir le temps d'aller dans le dropper. Et ensuite, lorsque la torche va s'allumer, ça va permettre au dropper d'éjecter l'item. Donc ça, c'est ce système-là qui permet, quand on lance le pass, d'automatiquement le récupérer. Vous voyez, dès que je le lance, je l'ai en main. Voilà.
Ça, c'est hyper compacté. Vous l'avez certainement vu sur Holicube avec Hypierre qui avait fait une porte qui permettait d'accéder à toutes les usines dans le Nether. Bon, il avait fait le système, il s'était étendu tranquillement, hein. Mais ça, c'est exactement le même système sur une zone de 1, 2, 3, 4 blocs sur 2. Et en hauteur, on est à 2 blocs de hauteur, hein, puisque ici, tout ça, c'est autre chose. Ça. Et puis cette partie-là, c'est quelque chose que j'avais ajouté qui n'est pas nécessaire. Voilà, donc on a vraiment quelque chose d'hyper compact à ce niveau-là. Et puis en plus, qui peut complètement se cacher, hein, parce que là, on peut avoir tout un système, on peut même avoir une espèce de guichet, ça peut être sympa ça, si on veut faire par exemple un accès à une fête foraine ou quelque chose comme ça, avec un mob, on peut mettre une sorcière ou quelque chose ici, on peut avoir un système de guichet où finalement quand on lance le paquet, voilà, il va falloir le lancer correctement, voilà. Quand on lance les billets, en fait, on peut avoir une guichetière qui fait du bruit derrière, ça peut être amusant quoi. Donc il est assez compact, ce qui permet de bien le décorer. Et puis, il est faible en ressources. Ça c'est, vous le savez, dans tous les systèmes que j'essaye de faire, systématiquement, je cherche à avoir les choses les moins chères et les plus faciles à construire possible. Donc là, maintenant que vous avez compris ce système, là vraiment, il n'y a rien de sorcier. Le signal est envoyé dans le bloc et répercuté dans la poudre juste ici. Il éteint la torche allume ensuite cette torche ici. On en profite, cette torche-là, pour récupérer le signal et pour ouvrir la porte. Alors comment on fait ça? On fait ça avec ce Pulse Lensner. Un Pulse Lensner, c'est simplement un pulse qui permet, je vais vous le démontrer ici, de rallonger un signal. C'est-à-dire que si on a un signal qui est très rapide, le problème c'est que la porte va s'ouvrir et va immédiatement se refermer. On peut faire l'exemple, tac, avec un petit bouton. Si on a un bouton... Ah, le problème c'est que c'est cette torche-là qui bloque. Voilà. Si on a un simple bouton qui va actionner, on va le faire ici, hein, ça va être plus simple, parce que ici en fait le pulse sensor est déjà installé. Donc si on a un bouton qui ouvre la porte, vous voyez un bouton en bois déjà il est un peu long. Un bouton en pierre il est encore plus rapide. Donc ce qui est plus rapide c'est le bouton en pierre, on a à peine le temps de passer. Le bouton en bois un tout petit peu plus long, mais bon, c'est pas très long non plus. Et on a la possibilité, par exemple, si on envoie un signal, donc le bouton en pierre, théoriquement, le signal est assez rapide, mais vous le voyez, en fait, le signal passe d'un comparateur à l'autre en perdant... en fait, il arrive, sorti du comparateur, il a la même force qu'à l'entrée. Donc là, j'envoie 14 de signal, mais à la sortie, là, ici, il a 14, 13. Donc à la sortie, il a 13, 12. 12, 11, etc., etc. Il va perdre tout doucement en force le signal, mais ça va permettre d'avoir un signal beaucoup, beaucoup plus long qui va avoir plusieurs tics de délai. Et donc, pendant ce temps-là, on va avoir la porte. Normalement, je devrais pouvoir vous faire la démonstration avec une simple porte qui va rester ouverte. Ça va être plus simple. Si le signal va jusqu'à la porte. Voilà. La porte qui va rester ouverte beaucoup plus longtemps avant de se fermer. Plutôt que si on avait eu un simple pulse. Voilà. Elle se ferme plus vite. Donc voilà, le Pulse Lensner, c'est ce qui permet d'avoir un tout petit peu plus de confort au moment de l'ouverture de la porte et d'avoir quelque chose qui nous permet de nous laisser le temps de passer, simplement. Donc ça, c'est le Pulse Sensor qui se trouve juste en dessous, juste là. Il est également possible, je l'ai rajouté ici, toute cette partie-là, on peut la supprimer. En fait, c'est juste le fait de pouvoir activer le Pulse Sensor juste en se mettant sur des plaques de pression. Voilà. Donc là, le fait de rester sur les plaques, ça laisse les portes ouvertes. Et puis, dès qu'on passe... Le Pulse Lensner, on le voit là en passant grâce au sol qui est en vert. Vous voyez, on le voit s'éteindre doucement et refermer les portes. Donc voilà, rien de très sorcier, vraiment très très simple. Dans la description de la vidéo, comme je vous l'ai expliqué, vous allez avoir le schématique qui vous permettra de recopier cette machine chez vous, hein, et que vous puissiez jouer avec un petit peu. Parce qu'il y a moyen de la compacter, je pense. J'avais commencé à travailler un petit peu justement sur ce système-là,
pour avoir quelque chose, par exemple, de beaucoup plus simple. D'avoir, par exemple, hop, une simple porte. On balance le pass, ça ouvre la porte et on passe. Voilà. Et puis de l'autre côté, pour ressortir, hop, on appuie sur le bouton et on ressort. Donc avoir quelque chose d'un tout petit peu plus compact. Je ne sais pas si on peut utiliser. Je fais des petits tests avec vous, on va prendre du rose, c'est plus joli. Voilà. Si on peut utiliser une carpette, mais normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà. Donc là, comme ça, c'est complètement caché. Donc pour avoir un accès chez vous, complètement sécurisé. Donc en fait, c'est un tout petit peu plus compact dans le sens où cette partie-là, la partie filtre, elle est contorsionnée par ici, sur le côté. J'ai pas réussi à le faire ici, c'est-à-dire que de prendre le comparateur et l'emmener dans cette direction-là, à cause des portes doubles. Mais si on utilise une porte simple, en fait, vous voyez le système à ce niveau-là. Même ça, c'est pas nécessaire. Je sais pas pourquoi j'ai autant de blocs ici. Le système. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Donc le système est ici. En fait, le fait d'avoir l'entonnoir avec le filtre juste sous la porte, juste devant, comme ça. Ça permet de bien coincer le système avec le comparateur qui envoie donc dans ce bloc-ci. Le courant est récupéré ici. Dès qu'on passe à 23 items, il arrive ici. Ça éteint cette torche et cette torche envoie le signal directement par ici. Donc déjà, elle libère l'entonnoir et elle envoie le signal dans le dropper qui redistribue le passcard. Voilà. Donc ça, cette partie-là est un peu plus compacte parce qu'on n'a pas la nécessité d'avoir deux portes. Et qu'on n'est pas embêté par le signal qu'on doit envoyer à la deuxième porte sur le côté. Donc c'est un tout petit peu plus compact. Bah, si ça vous intéresse, du coup, je vais vous mettre les deux modèles en téléchargement dans la description. Donc n'hésitez pas à les regarder, vous aurez un schématique de tout ça. Avant de vous quitter, je vous fais une toute petite mise à jour du système. Je voulais pas vous laisser en téléchargement quelque chose de moche, hein, donc voilà, je vous ai fait ça avec des laines de couleur, comme je sais que vous aimez. Avec le système pour ouvrir avec les plaques de pression orange, le système de Lensener en violet, on a le système de filtre en bleu, et puis le système qui pulse du distributeur en jaune. Voilà. J'ai la même chose de ce côté-ci avec le petit système que j'ai encore compacté. J'ai réussi en fait en plaçant cette torche ici en dessous. Voilà, en faisant le lien juste ici avec cette poudre de redstone, en fait, de rehausser le pulse sensor et puis de le caler complètement contre le filtreur. Donc vous avez le système de filtre juste ici avec le comparateur et la torche qui bloque le deuxième hopper. Et puis vous avez la transmission jusqu'au distributeur ici en jaune. Là, le pulse Lensner en violet, donc exactement comme l'autre machine, le même code couleur. Et puis le système de réouverture, les plaques de pression, là, ici, juste avec ce bloc. Voilà. Donc comme ça, c'est tout propre pour le téléchargement. Vous avez un beau système. En fait, si je vous fais pas à pas et bloc par bloc la démonstration de cette machine, c'est parce que finalement, elle peut avoir énormément, énormément de visages différents. Là, vous voyez, par exemple, je l'ai fait complètement dans la longueur pour qu'elle fasse deux blocs de long avec les portes. Et puis, vous avez juste... Pour cacher le système, vous avez juste à prendre des carpettes, tac, et puis vous pouvez carrément dissimuler tout, voilà, tout le système comme ça. Les portes là, je peux même les mettre sur ces blocs-là, voilà, ce qui permet aussi de cacher l'entonnoir, voilà. Donc en fait, ce système-là, je préférais bien vous expliquer comment ça fonctionne, que vous puissiez le recomposer de la façon qui vous intéressera, plutôt que de vous montrer une machine fixe qui finalement peut être modifiée. Voilà! Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la façon dont on fait des portes à passe comme ça, des passes d'or. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Redstack. J'ai plein de choses en réserve, mais je pense que je vais en garder quelques-unes pour l'équipe saison 4. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Non? Regardez pas derrière, regardez pas. Allez, salut à tous!